Léonjo Léo, Ezama Solo, Yalelo, pour tout savoir de l'actualité en République démocratique du Congo, Torobeta Masolo, Naseni, également, dans l'enseignement primaire, secondaire, voilà, Torotala, classe Ezongi, To Ezongite, Boni Boni, Ezongite, tout savoir de l'actualité en RDC, c'est dans ce journal, na Sandrine Shinakawa. Suivez. Les deux groupes parlementaires pro-Katumbi estiment que convoquer une plénière ce jour n'est qu'une farce ou plaisanterie de mauvais goût, des informations faisant état d'éventuels candidats ici d'ensemble pour occuper des postes au sein de cette CENI n'engage nullement la responsabilité de Moïse Katumbi Tshapwe. Instrumentalisation de la jeunesse congolaise pour des intérêts politiques, ce vendredi, un groupe de jeunes recrutés au quartier Kanluka s'est retrouvé à l'esplanade du Palais du Peuple pour, dit-on, soutenir l'enterrement de la candidature de Denis Kadima à la CENI. Et le fleuve Congo, bientôt la voie des transports la plus rapide et fiable pour quitter Gombe et prendre son avion à l'aéroport international d'Ndjili pour lutter contre les embouteillages. Les laboratoires de la société Majestic Rail Vert et celui de la RVA réfléchissent pour le tirage de la rivière Condé. Le journal, c'est avec Sandrine Shinakawa. Très heureuse de vous retrouver pour ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans l'actualité, enterrement des membres de la CENI, sous pression, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso, a reporté la plénière qui devait auditionner la commission paritaire. Entre-temps, le parti de Moïse Katumbi Tshapwe menace de revoir sa position au sein de l'Union sacrée. Dans un communiqué, Ensemble pour la République s'insurge contre la décision de la convocation de la plénière ce vendredi par le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mboso, en vue de l'audition et l'adoption du rapport de la commission paritaire chargée d'examiner les dossiers des candidats au nouveau bureau de la CENI. L'essentiel de ce communiqué dans ce papier de Christian Guanzo. Les deux groupes parlementaires pro-Katumbi et son parti Ensemble pour la République estiment que les confessions religieuses sont toujours en désaccord et que l'opposition n'a pas non plus désigné et envoyé ses délégués. Convoquer une plénière ce jour n'est pas moins qu'une farce ou une plaisanterie de mauvais goût dans une affaire de très grande importance nationale, comme si la souveraineté et l'essor du peuple congolais ne valaient rien aux yeux du président Mboso, de ses commanditaires et autres associés. Des informations faisant état d'éventuels candidats issus d'ensemble pour occuper des postes au sein de cette CENI n'engagent nullement la responsabilité de Moïse Katumbi Tshapwe et de sa famille politique, dit cette déclaration. Dans les cas où un membre de l'un ou de l'autre des deux groupes parlementaires pro-Katumbi serait cité ou nommé, il ne le serait qu'au titre d'arrangement personnel pour assouvir des intérêts obscurs contraires aux attentes du peuple congolais. L'aile Katumbi dénonce les forcings orchestrés par les présidents de l'Assemblée nationale et ses commanditaires. Au sujet de la taxe RAM, ces groupes parlementaires parlent de l'escroquerie d'État et menacent de mobiliser les populations pour descendre dans des rues. Pour conclure, il en appelle au sens des responsabilités pour sortir des pratiques d'imposition et mobiliser des Congolais de toutes les provinces afin de sauver notre seul et unique pays par des réformes justes et nécessaires en vue d'un processus électoral constructif et libérateur. Et sachez que la commission paritaire a déposé jeudi dans la soirée le rapport des travaux. André Mbata, président de la commission, fait ici l'économie des résolutions. Je conduis ici des membres de la commission mixte paritaire chargés d'examiner les procès-verbaux de désignation des membres de la CENI qui ont été envoyés par les différentes composantes, les composantes attitrées en fonction de la loi organique sur la CENI. Eh bien, cette commission a effectué son travail depuis le 13 août 2021 et ce travail vient de s'achever. Nous avions donc le devoir, dès ce moment-là, d'amener le rapport, de venir le déposer auprès du président de l'Assemblée nationale afin que celui-ci puisse programmer la plénière de l'Assemblée nationale qui devra débattre de l'enterrement des membres de la CENI. Il est évident que pour cette majorité, c'est-à-dire pour l'Union sacrée de la Nation, comme pour l'ensemble des députés nationaux, notre volonté ferme reste
l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. C'est notre détermination. Nous n'avons pas voulu lésiner sur les moyens. C'est aussi la volonté de notre peuple d'aller vers les élections dans les délais qu'il a prescrits au terme de la Constitution. C'est également le souci du président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, que nous puissions aller aux élections dans les délais constitutionnels. Telle est la volonté de notre peuple, telle est la volonté de l'Assemblée nationale. Nous sommes donc venus ce soir pour déposer le rapport de la commission mixte paritaire au bureau de l'Assemblée nationale. Le travail s'est fait conformément à la Constitution, conformément à la résolution qui avait été adoptée par la plénière. Et pour les détails, vraiment, prenez un peu de patience. Nous ferons très bientôt, incessamment, dès que la plénière est programmée, vous aurez tous les détails. Le travail était bien fait, mais nous réservons la primeur à la plénière de l'Assemblée nationale. Et en ce qui concerne la CENI, le député AFDCA Léon Mbalemba alerte sur le risque de la guerre civile ou des troubles en cas de forcing dans le processus de désignation des membres de la CENI. L'élu de Founa dénonce par ailleurs la corruption qui a émaillé cette démarche de désignation du nouveau bureau de la centrale électorale. Les catholiques ne vont pas céder à l'Ikamboyo, Etali, comment il s'appelle ? C'est sale ce qui se passe dans les dirigeants religieux où la corruption est en train de battre sérieusement. Mais personnellement, Pérou, bien talent, téléspectateurs, qu'est-ce qu'on s'en fout du CENI? On s'en fout éperdument. On s'en fout du CENI. On est allé de contestation en contestation. Et Seigneur, et Kwameni, et le mon côté, Seigneur, encore au moins, il y a Nanga. Mais Seigneur, il y a Seigneur, salité. Il y a une réunion sacrée. Dans le lobby, Seigneur, il y a une salité, il y a déjà éclaboussé. Il y a 100 000 $. Corruption. Bah Prado. Corruption. Bazo les capetés, mais c'est sale. Et la population qui nous suit, la population qui suit Papa Molière, peut dire que Maramouana est intéressé à ta bisauté. Non, mais Papa Molière, c'est ça le problème. C'est que dans le rôle de l'accusé, c'est l'union sacrée, c'est le régime. Pourquoi l'union sacrée? Non, mais tant que Sol l'a dit, non. Quand on dit que c'est le candidat du chef, c'est le candidat du président de la République, le président de la République, il a vu une des l'union sacrée. Est-ce qu'il y a un président de la République? Tant que on va corruption, bon, président de la République, à Salierere, à Tipembe, Inaye, conseiller, Baouti Poto, Bazaï Nanzala pendant 32 ans, Bazo Sala, Bazo conseiller Mabé. La même chose, Togé Namakam Itali, il y a CENI. Ça, quand on veut nous imposer quelqu'un, Azali Mabé, et il est prouvé que Azali Mabé. Et l'instrumentalisation de la jeunesse congolaise pour des intérêts politiques, de plus en plus, le palais du peuple est utilisé pour cette nouvelle forme de corruption. Après le groupe des jeunes exploités, dit-on, pour la taxe RAM, ce vendredi, un groupe de jeunes recrutés au quartier Conluca s'est retrouvé à l'esplanade du palais du peuple pour, dit-on, soutenir l'entérinement de la candidature de Denis Kadima à la CENI. Malheureusement, ce jeune ne comprend pas trop bien pourquoi il était là. Honorable Nani. Honorable Et du côté de l'opposition, la coalition Lamouka, de nouveau dans la rue ce samedi 16 octobre, le gouverneur de la ville province de Kinshasa, Jean-Tsini Ngobi Lambaka, a pris acte de l'organisation de cette marche pacifique des partisans de l'opposition qui dénonce une politisation de la CENI. Dans une correspondance adressée aux secrétaires généraux de l'ECID et du Nouvel Élan, le gouverneur de la ville souligne l'itinéraire
itinéraire qui va du marché Ngaba, puis l'avenue Kianza et Super Lemba, Fikine, boulevard Lumumba, pour se terminer à la première rue Limité. Et dans un autre registre, la solution à la grève des enseignants passe nécessairement par des discussions directes entre le gouvernement et des syndicats réellement représentatifs des intérêts des professionnels de la CRE. Mercredi dernier, le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, s'est entretenu avec l'intersyndicat en vue d'élaborer des modalités pratiques de reprise de pourparlers. Le ministre a promis de faire un rapport au Premier ministre. Toujours dans le même registre, publication des résultats d'Exeta 2021. À côté de l'explosion des joies sur les grandes artères, ces épreuves ont également fait des victimes. L'inspecteur général de l'EPST et du directeur du centre de correction ont été suspendus par le ministre de tutelle. Il est reproché à ces deux fonctionnaires d'être à la base de fuite de résultats de deux districts de Kinshasa, à savoir Lukunga et Fumba, avant la publication officielle. À Lukunga, les finalistes malheureux de certaines écoles ont manifesté devant l'effigie du président honoraire Joseph Kabila au siège du PPRD. Ces finalistes malheureux réclament drôlement le retour du Raïs. Chose, Daniel Asselo Okito, vice-premier ministre de l'Intérieur congolais, désigné président du Conseil des ministres des États membres de l'EAPSECO. Dans son mot, Daniel Asselo Okito promet de tout donner pour que l'objectif ultime de l'organisation soit atteint. Aujourd'hui, c'est une double reconnaissance que j'adresse à son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État. En effet, en étant désigné à mon tour comme président du Conseil des ministres des États membres de l'EAPCO, tout l'honneur me revient une fois encore à son autorité. Chers collègues, ministres des États membres de l'EAPCO, la confiance que vous venez de me témoigner en me désignant à la tête de notre conseil exprime l'importance que vous m'accordez à notre pays, la République démocratique du Congo. Et du côté de la police nationale congolaise, jeudi dernier, le général et commissaire divisionnaire principal Dieudonné Amouli a pris le bâton de commandement de l'Organisation des coopérations de chefs de police de l'Afrique de l'Est. La cérémonie de passation de commandement s'est déroulée au Congo Fleuve Hôtel dans le cadre de la 23e Assemblée générale annuelle de cette organisation. Prenant la parole dans le lancement de ses travaux, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo Okito Wankoy, a rappelé les objectifs consistant à harmoniser la coopération policière dans la sous-région. Pour le ministère de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, une date mémorable, car la police nationale congolaise, un des services publics majeurs relevant de son autorité, vient d'être honoré par ce père de l'Organisation de coopération des chefs de police de l'Afrique de l'Est, EAPCO en sigle. Avant toute chose, qu'il me soit permis à cette occasion d'adresser de vifs remerciements, avec toute ma déférence, à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, pour avoir donné son quitus aux fins de l'intégration de la police nationale congolaise
dans l'organisation de coopération de chefs de police de l'Afrique de l'Est, regroupant à ce jour 14 États membres en vue de lutter contre la criminalité transnationale organisée. En ces jours du 14 octobre 2021, 13 autres polices des États membres ont accepté d'élever à la tête de cette organisation sous-régionale le commissaire général de la police nationale congolaise. Je cite Amouli Baïgwa Dieudonné. Et encore autre chose, le fleuve Congo, bientôt la voie de transport la plus rapide et fiable pour quitter Gombe et prendre son avion à l'aéroport international de Ndjili pour lutter contre les embouteillages sur le tronçon boulevard Lumumba. Le laboratoire de la société Majestic River et celui de la régie des voies aériennes réfléchissent à travers un accord pour le curage de la rivière Condé qui passe par l'emprise aéroportuaire de Ndjili vers les abords de la piste 24 pour se jeter dans le fleuve Congo. Le ministère chrétien du combat spirituel dénommé SIFAMC fête ce samedi 17 octobre ses 30 ans d'existence. Le thème de cette journée commémorative est « Nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité ». Selon Gabriel Olangiwosho, cette célébration n'a pour objectif que de rendre gloire à l'Éternel qui a gardé et continue à garder cette œuvre contre vents et marées. Page noire dans ce journal, l'Union nationale de la presse congolaise est en deuil. Le journaliste Patrick Palata, patron de la télévision Talatala de Matadi, a rendu l'âme la nuit dernière alors qu'il revenait de la semaine du tourisme organisée à Kolwezi dans le Lualaba. Géniteur de la célèbre émission Kiosque sur Canal Kin, Patrick Palata a fait parler de lui lors de sa condamnation injuste sous l'ancien régime dans un dossier qui opposait le système au général Faustin Mounené. Il avait passé 3 ans et demi à la prison militaire de Ndolo. Et pour ce journal dans le dossier sport, cela fait désormais plus de 800 jours que les vaillants Léopards Basketball Monsieur attendent la réalisation de la promesse du chef de l'État après leur sacre continental. Le président Lisped s'étonne que le ministre des Finances déclare ne pas connaître ce dossier. Entre-temps, les Léopards Unité 20 Dames Football sont aussi dans la même situation de non-réalisation de promesses. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons terme à ce bulletin d'information. Merci de rester fidèles à la meilleure de chaîne et merci aussi à l'équipe, à la réalisation, à la coordination et à tous.